Voici donc notre fête de la lumière. C'est la première fois que nous l'organisons. Nous voulions vraiment dire quelque chose de différent d'Halloween. Là où Halloween évoque les ténèbres et la mort, nous voulions célébrer la vie du Christ, dire que le christianisme est une fête et une célébration. J'aime voir les visages surpris des gens quand ils arrivent. Ils ne s'y attendent pas. Il y en a beaucoup parmi eux qui ne viennent jamais à l'église, qui sont ici pour la première fois, et c'est génial pour nous. C'est un message simple, un témoignage simple de l'amour de Dieu, et peut-être un premier pas. La paroisse anglicane Saint-Barnabas, dans le quartier de Kensington à Londres, est animée par un grand dynamisme missionnaire. L'équipe qui la conduit autour de son curé, Andy Buckler, cherche sans cesse à écouter l'Esprit-Saint pour rejoindre les personnes dans leur réalité et faire des propositions leur correspondant. Alors que de nombreuses églises, en particulier dans les pays occidentaux, sont touchées par un net recul de la pratique religieuse, un nombre croissant de paroisses vivent une vraie transformation pastorale. Saint Barnabas a été la première d'une centaine de paroisses à avoir été renouvelée par la dynamique du church planting à Londres, que ce soit à travers la fondation de nouveaux lieux de culte ou la refondation d'églises promises à la fermeture. Il y a un peu plus de 30 ans, cet édifice exceptionnel était pratiquement vide. Le dimanche, il y avait peut-être 10 ou 15 personnes. Ils avaient essayé beaucoup de choses différentes pour attirer de nouvelles personnes, mais c'était difficile. Eux-mêmes voulaient le changement, mais ils n'en avaient pas la force. À quelques kilomètres de là, il se trouve qu'il y avait une église très vivante qui s'appelle Holy Trinity Brompton. C'était en 1985. Et cette église recherchait une possibilité de s'agrandir et de bénir d'autres personnes. Ils avaient beaucoup de monde, ils avaient vu Dieu à l'œuvre, mais ils ne voulaient pas le garder pour eux. C'est ainsi qu'ils ont développé l'idée de ce que l'on a appelé « church planting », l'implantation d'églises, qui en un sens est une réimplantation. Quand il est question de l'histoire récente de l'implantation d'églises en Angleterre, je reviens toujours au fait que l'implantation d'églises se fait depuis des siècles. Quand une église est fondée, c'est une implantation venue d'ailleurs. Quelqu'un a envoyé quelqu'un d'autre pour fonder une nouvelle église dans un nouvel endroit pour atteindre un nouveau groupe de personnes. Après avoir lui-même été à la tête de plusieurs paroisses ayant été renouvelées par le church planting, Rick Thorpe a été ordonné évêque auxiliaire du diocèse de Londres en 2015. Sa mission n'est pas liée à un territoire précis, mais de veiller sur les églises nouvellement implantées ou réimplantées par la communion anglicane, non seulement à Londres, mais dans toute l'Angleterre. Il encourage aussi d'autres confessions chrétiennes dans leurs projets d'implantation, comme celui porté récemment à Vienne, en Autriche, par l'Église catholique. Où trouvons-nous les racines de l'implantation d'églises dans les Écritures? Eh bien, l'église a d'abord été établie par une implantation. Nous connaissons l'église de Jérusalem, qui a commencé au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Mais ensuite, nous entendons parler d'une nouvelle église qui est établie dans un lieu appelé Antioche, sur la côte. Elle a été fondée par de nouveaux chrétiens venant de nations et de milieux différents. Certains étaient des convertis du judaïsme, d'autres des croyants issus du paganisme, qui n'avaient pas cet arrière-fond de foi en Dieu. Ainsi, vous avez cette église qui commence à être établie. Dans le chapitre 13 des Actes des Apôtres, nous voyons que dans cette église, dont faisaient partie Paul et Barnabé, ainsi que plusieurs autres chrétiens de nombreux pays, les responsables ont senti que le Saint-Esprit les conduisait à envoyer Barnabé et Saul pour partir fonder de nouvelles églises dans de nouveaux lieux.
J'ai commencé mon ministère en termes d'implantation d'église au début des années 2000. Andy Buckler est prêtre anglican, responsable de la paroisse Saint-Barnabas depuis 2017. Marié et père de 5 enfants, il a vécu en France pendant 17 ans avec sa famille en exerçant son ministère comme pasteur de l'Église protestante unie de France. J'ai démarré comme pasteur de l'Église protestante unie de France dans une ville appelée Mantes-la-Jolie, à environ 50 km à l'ouest de Paris. Quand j'y suis arrivé, la situation était très difficile. Cette église existait depuis de nombreuses années, mais l'assemblée avait diminué et il y avait très peu de personnes. C'était donc une situation d'implantation d'église, non pas dans le sens où tout était complètement nouveau, mais dans celui de replanter quelque chose dans un lieu où les témoignages avaient été vraiment perdus ou au moins réduits. Pour mon premier dimanche là-bas, il y avait 12 personnes dans l'assemblée et 5 étaient des membres de ma famille, ma femme, nos 3 enfants et moi. À la fin du service, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Monsieur le pasteur, c'est extraordinaire, nous étions si nombreux au culte. » Je venais d'une église en Angleterre où nous exercions notre ministère auprès de 5 ou 600 personnes chaque dimanche. Donc vous imaginez le contraste pour moi. De fait, ma première réaction a été vraiment d'être découragé et de dire « Eh bien, que peut-il se passer ici ? Je ne vois pas grand-chose, je vois ce qui s'est fait dans le passé, mais aujourd'hui la communauté est fatiguée, elle est découragée. Que pourrions-nous faire ?» Et le Seigneur m'a vraiment parlé. Un jour, où je me rendais à l'église très tôt le matin, nous sommes tombés sur le bulletin de la paroisse dans lequel un membre d'un groupe de prière avait écrit une petite phrase « Continuons à prier ». C'était une église qui n'avait pas de pasteur depuis plus d'un an. « Continuons à prier pour le pasteur que Dieu va nous envoyer et pour le renouvellement de notre paroisse ». Je lisais cela en tant que nouveau pasteur et je me disais que c'était incroyable. S'il y a ne serait-ce qu'une ou deux personnes qui prient, c'est qu'il y a déjà de la vie ici. Ce que j'ai appris, c'est que même dans les situations les plus difficiles, le Seigneur est déjà à l'œuvre. Il a déjà semé avant notre arrivée et souvent, nous ne savons pas ce que sont ces graines. Et parfois, quand elles commencent à pousser, elles sont très fragiles, très petites. Il faut du discernement pour les voir. On peut facilement les manquer si l'on ne cherche que les grandes choses. Mais je me suis accroché à cette parole du prophète Zacharie qui dit « Ne méprise pas le jour des petits commencements ». Et tout ce que le Seigneur fait dans l'ensemble commence petit. Il sème une graine qui doit alors prendre racine et grandir. C'est vrai dans nos vies et c'est aussi vrai dans la vie de l'Église. Mais nous avons tendance à être découragés car immédiatement nous pensons grand et nous nous disons « Je ne pourrai jamais faire ça ». En mettant l'accent sur la prédication de l'Évangile, l'accueil des enfants et des familles, ainsi que des nouvelles personnes, la communauté va grandir. Au bout de quelques années, ce sont plus de 100 personnes qui se réunissent chaque dimanche, dont beaucoup d'enfants et de familles. Depuis que je suis particulièrement impliqué dans l'implantation d'églises, j'en suis venu à voir 3 éléments principaux qui sont vraiment importants. Le premier est la confiance. Il est très facile de faire les choses par nos propres forces, et ce dont nous avons besoin, c'est d'être enracinés dans la conviction que Dieu est celui qui fait les choses. C'est la mission de Dieu. Nous sommes appelés par lui, c'est son esprit qui nous conduit, et nous sommes appelés à répondre à ce qu'il fait. Cela donne confiance. Nous n'avons rien à prouver, nous n'avons pas à réaliser des choses, simplement écouter, discerner et suivre son action. C'est cela la confiance. Le deuxième élément est la collaboration. N'essayez pas de faire les choses tout seul, car même la personne la plus enthousiaste arrive à court d'énergie et est limitée dans ce qu'elle peut donner. Faites-le en co-travaillant avec d'autres personnes autour de vous qui sont le peuple que Dieu vous a donné. Et ici, le peuple que Dieu avait donné venait en fait d'une autre paroisse. Ils ont été envoyés et ils ont travaillé côte à côte et quelque chose de nouveau est né. Comme les choses grandissaient ici, à Saint-Barnabas, ainsi la paroisse a voulu faire la même chose avec d'autres. Et quelques années plus tard, a elle-même implanté dans un autre endroit et envoyé une équipe de personnes.
Ainsi, dans l'implantation d'églises, une église mère, pour ainsi dire, peut discerner les meilleures personnes, une équipe, et ensuite les envoyer dans le nouveau lieu pour qu'ils puissent travailler ensemble. C'est ce qui s'est passé à Saint-Barnabas quand nous avons reçu une équipe, puis quand nous avons envoyé une équipe à notre tour. Nous l'avons fait à nouveau ensuite, et plus récemment, nous l'avons encore fait en créant notre initiative francophone appelée French Connect. Jésus est celui qui nous sauve. Le troisième élément qui est vraiment important, c'est la créativité. C'est intéressant de revenir sur l'expérience de l'Église d'Angleterre. Au cours des dernières décennies, il y a eu différentes approches pour essayer d'évangéliser. Certaines d'entre elles ont été fantastiques et se sont poursuivies. L'une des approches a été de comprendre qu'on arrive à la foi aujourd'hui, non par une conversion immédiate, mais sur une période de temps en suivant une forme de cheminement. Le meilleur exemple en serait le cours Alpha. Mais même les meilleurs de ces programmes ont tendance à atteindre des personnes qui sont déjà en relation avec l'Église. Que faisons-nous pour toucher les gens qui ne viennent jamais à l'Église ? Maintenant, le défi pour l'Église est de permettre à l'Esprit de Dieu de changer réellement notre façon de penser, afin que nous puissions permettre à l'Évangile d'émerger là où se trouvent ces personnes, et pas seulement là où nous sommes. Cela demande de la créativité. Cela implique que nous soyons capables de prier et de chercher ce que Dieu est en train de faire et de permettre aux choses de devenir différentes et de se réaliser de différentes manières. Et ce n'est pas quelque chose de naturel pour beaucoup de gens. Certaines personnes sont très créatives, mais beaucoup trouvent leur sécurité dans des activités routinières. Maintenant, c'est très bien, et c'est l'une des grandes choses que l'Église d'Angleterre a comprises. Il ne s'agit pas de se débarrasser de l'ancien et de faire entrer le nouveau. Il faut honorer l'ancien et permettre le nouveau. Animé par cet esprit de confiance, de collaboration et de créativité, Andy et son équipe travaillent sans relâche pour mettre cette bonne nouvelle du Christ à la portée de tous. À Saint-Barnabas, le culte sous des formes diverses et variées, alliant l'ancien et le nouveau, des espaces de convivialité autour d'un café, des jeux, permettent à chacun de se sentir pleinement accueilli et de trouver sa place. Le dimanche, 4 cultes différents sont proposés. Le premier, plus traditionnel, à 9h, suivi d'un culte rassemblant les familles à 10h30, puis 2 autres en fin d'après-midi. Un culte en français à 17h, et enfin le culte du soir à 19h, plus basé sur la louange, s'adressant davantage aux jeunes professionnels. La musique joue un rôle central dans les célébrations et dans les événements proposés par la paroisse. Gilbert Chélambron est responsable du ministère de louanges avec une vingtaine de musiciens. Il dirige aussi l'école de musique de la paroisse, la Barnabas School Academy, proposant des cours aux personnes du quartier et va bientôt lancer une école de louanges sur place. Mon ministère est d'être passionné par la louange, de conduire les gens dans la louange. Je dis toujours que le meilleur temps de louange est celui au cours duquel les gens ont eu du plaisir à louer Dieu. Et ce n'est pas lié à vos capacités techniques ou à votre talent, bien que ces choses soient importantes. Mais ce n'est pas le plus important pour y arriver. Donc avant tout, je suis passionné par la louange, par le fait d'y conduire les personnes, et c'est pourquoi je suis ici. Et être passionné par cela, ce n'est pas être passionné par un certain type de personne,
des jeunes ou des personnes âgées ou par différents genres de musique. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'aimer les gens. On se sent vraiment chez nous, on se sent accepté tel qu'on est. On n'a ressenti aucun jugement sur le fait que Marie-Laure soit catholique, que je sois protestant. Et moi, je viens effectivement d'un background protestant évangélique. Donc, je suis habitué aux grandes églises avec trois guitares électriques, une batterie, des basses, tout ça, avec des grands écrans. Voilà. Et ici, en fait, avec Marie-Laure, on a trouvé un très bon compromis, puisqu'en fait, on retrouve la dimension intérieure. Je trouve qu'on prend plaisir à vivre tous les deux quelque chose qui nous unit, en fait, ici, et qui nous touche, moi, par les sacrements, par les silences, par la louange. Et en fait, c'est marrant, mais vraiment comme si le Seigneur nous disait, mais je peux vous donner ici quelque chose à tous les deux, qui va vous toucher tous les deux et qui va vous unir, quoi. Semaine, l'église, transformée en un immense terrain de jeu, fait le bonheur des petits et des grands, donnant une image de cette église accessible à tous, même à ceux qui n'y ont jamais mis les pieds. J'aime le fait qu'il y a tellement de familles et de choses à faire. J'ai un enfant de 2 ans et j'en ai un autre en route, donc c'est génial. Comme vous pouvez le voir, les gens viennent aussi avec de jeunes enfants. Tout le monde est extrêmement amical. Les installations sont exceptionnelles et c'est une excellente façon d'épuiser mon tout petit. C'est un environnement vraiment sécurisé et propice à l'apprentissage. Il fait beaucoup plus d'escalade et de sauts depuis que nous avons commencé à venir. La paroisse Saint-Barnabas a récemment vécu un processus d'implantation d'un nouveau projet, le French Connect, avec un culte chaque dimanche et des propositions à destination des francophones, dont on estime le nombre à 300 000 à Londres. Français d'origine, le pasteur Jean-Luc Sergent en a la responsabilité. Le French Connect, c'est un mot qui est un peu chapeau pour deux choses. Il y a deux axes. Il y a évidemment les services. Le dimanche, tous les dimanches, donc ici derrière nous à Saint-Barnabas, il y a une communauté chrétienne qui se réunit pour chanter, louer le Seigneur, prier, ouvrir la parole de Dieu, recevoir les sacrements. Et donc ça, c'est tous les dimanches. Et ensuite, on a un axe qui est plus ouvert sur la communauté francophone de Londres et qui va se passer autour d'événements. Donc on s'est dit, on va ouvrir l'église pour, par exemple, la retransmission de la Coupe du Monde de football en 2018. On a ouvert l'église pour des raclettes, pour des galettes, pour des dégustations de vin. À chaque fois qu'on a fait ça, on a été très, très surpris d'avoir des événements, la plus grande raclette de Londres, avec 200 personnes qui sont venues dans une église. Ça peut paraître assez étonnant, ça nous a étonnés aussi, mais en même temps, pour les Français en particulier, il y a quelque chose autour de la convivialité, du repas évidemment. Quand une paroisse souhaite se lancer dans une démarche de revitalisation ou qu'un projet d'implantation d'un nouveau lieu d'église est lancé, un accompagnement est mis en place. Nous avons une sorte de processus par lequel nous guidons les personnes. Et d'abord, nous commençons par chercher à identifier où sont les besoins. Nous vivons dans une ville où 92% de la population n'est pas engagée dans la foi chrétienne d'une manière compréhensible et significative. Et nous cherchons donc à savoir où sont ces personnes et où nous n'avons ni église ni ministère qui les atteignent. Nous travaillons aussi à identifier les personnes que nous devons appeler et encourager à sortir et faire quelque chose de nouveau, et qui pourraient avoir cet esprit d'entrepreneur, une sorte de don apostolique pour vouloir se lancer dans la nouveauté.
Et nous travaillons avec les paroisses locales pour les aider à identifier les personnes autour d'elles qu'elles veulent atteindre ou qu'il faut maintenant atteindre pour former de nouveaux disciples de Jésus. Ensuite, nous travaillons avec les évêques et les structures de l'Église afin de les aider à penser de manière stratégique à propos de leur territoire et de leur diocèse comme un tout. Nous avons constaté que deux éléments sont essentiels. Le premier est d'avoir une vision, de dire à Dieu, qu'est-ce que tu nous appelles à faire et à quoi cela va-t-il ressembler dans le futur? À quoi va ressembler cette nouveauté pour qu'elle soit si attrayante au point de me faire tout abandonner, pour poursuivre dans cette voie et que cela devienne une réalité? Ainsi, la vision pourrait être, par exemple, nous voulons voir les gens venir à la foi, trouver la liberté en Christ, la guérison des blessures, le pardon des péchés. Nous voulons voir des communautés transformées et une vie nouvelle émerger. Nous voulons que la lumière brille dans l'obscurité. On pourrait peindre un tableau comme ça. Mais la vision naît généralement dans la prière. C'est l'autre élément, l'élément essentiel. Vous découvrez que les meilleures implantations d'églises ont été fondées dans la prière. Il y a comme un chaudron de prière qui bouillonne quand les gens prient passionnément. Dieu, que ton règne vienne. Quand les gens crient vers Dieu, Seigneur, nous voulons que tu fasses quelque chose de nouveau en ce lieu. Tu dois transformer la vie des gens. Et nous savons que nous ne pouvons pas le faire. C'est seulement par ton esprit que c'est possible. Nous pouvons organiser les choses. Mais en fait, ça va être incroyable si Dieu se manifeste. Nous prions donc parce que nous voulons nous aligner sur ses intentions. Nous prions parce qu'il nous appelle à demander des choses, mais nous prions aussi parce que nous croyons qu'il nous guide et nous montre la bonne manière d'aborder ces choses. Donc la vision et la prière, je pense que ce sont vraiment les secrets d'une fondation. Alors, quels sont les secrets d'une bonne implantation d'église? De mon point de vue, et à partir de mon expérience, il n'y a rien de mieux que de s'amuser. S'amuser ensemble, exprimer la joie du Seigneur, de bien des manières. Et en général, ça passe par le fait de manger et boire ensemble. Donc, trouver beaucoup d'occasions pour rassembler les gens et faire la fête. Vraiment, faisons juste une fête. Manifestons le royaume des cieux. Faisons ce que Jésus a fait et rassemblons les gens, nourrissons-les et bénissons-les quand ils s'en vont. Alors, beaucoup de joie, beaucoup de prières. Et bien sûr, nous avons besoin d'être en relation avec d'autres personnes. C'est tellement salutaire pour les personnes qui font de l'implantation d'églises de ne pas être isolées, mais de faire partie d'une famille de planteurs d'églises, une vraie famille. Cela peut vouloir dire faire partie d'une communauté religieuse ou faire partie d'une tradition du même style. Mais vous devez rencontrer d'autres personnes pour parler de ce qui fait votre vie, pour prier les uns avec les autres, pour partager les meilleures pratiques, pour avoir d'autres bonnes idées. Donc je pense que ces choses sont l'essence même de l'implantation d'Église. Concentrons-nous sur Jésus, soyons là pour ceux qui ne le connaissent pas et amusons-nous pendant que nous le faisons. L'église Saint-Barnabas fait sans cesse preuve de créativité pour lancer des nouvelles initiatives pour rejoindre les habitants du quartier. Une fois par mois, l'orchestre de louanges de l'église joue dans le pub tout proche, lieu de détente et de socialisation par excellence en Angleterre. Fondamentalement, nous sommes juste ici pour montrer que l'église, c'est fun. Tout tourne autour du Christ, mais Jésus-Christ est vraiment très fun. Nous sommes donc venus rejoindre la population du quartier afin qu'ils sachent que nous sommes juste à 5 minutes d'eux. Et si quelqu'un ici ressent le besoin d'en être, il peut faire un saut dans l'église et s'éclater lui aussi. Pour nous, symboliquement et spirituellement, venir ici est une chose très forte. C'est une façon de dire que la vie de l'Église est une célébration, qu'il ne s'agit pas de se distinguer, mais d'être là où les gens sont.
Je suis vraiment frappé par le fait que parfois Dieu utilise nos stratégies et nos idées, et parfois il nous surprend complètement. Par exemple, nous avons travaillé avec une équipe de notre église pour planifier le French Connect. C'était une stratégie. Nous avons lancé notre culte en français et maintenant nous voyons des francophones suivre le cours Alpha, découvrir la foi, commencer à venir à nos cultes. Le nombre de francophones avec qui nous sommes maintenant en contact est extraordinaire, mais c'est grâce à une stratégie fondée dans la prière. Quand je suis arrivé dans la paroisse, je m'y attendais. Mais une chose à laquelle je ne m'attendais vraiment pas, c'est la surprise que Dieu a très vite apportée. Des gens venant de milieux complètement différents, d'origine iranienne, donc musulmane, qui étaient intrigués par ce qui se passait. Et nous avons découvert un, puis deux, puis trois de ces Iraniens qui sont venus. Alors nous avons décidé, « Ok, d'un côté nous avons une stratégie, continuons avec ça. » Mais de l'autre, accueillons ce que Dieu fait, cette chose nouvelle. La paroisse Saint-Barnabas propose les cours Alpha, une formation pour apprendre les bases de la foi chrétienne, initiée à Londres par Holy Trinity Brompton et répandue aujourd'hui dans le monde entier. Les enseignements sont donnés dans une vidéo simultanément en trois langues. Anglais, français et farsi, langue parlée par les Iraniens. À la fin de l'évangile, selon Matthieu, Jésus dit « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Jésus est ici en train de dire « Allez et faites des disciples dans le monde. Allez à partir de là où vous êtes. Faites de nouveaux disciples. Et que ferez-vous d'eux? Vous allez les baptiser et les enseigner. Le baptême et l'enseignement se font dans le contexte de l'Église. Il ne s'agit pas seulement d'un envoi pour faire des disciples, c'est un envoi pour faire des disciples et fonder des églises où ce genre d'activité peut avoir lieu. Le mandat se poursuit aujourd'hui. Nous devons atteindre de nouvelles communautés de personnes avec lesquelles nous n'avons pas encore de lien, faire des disciples et implanter des églises parmi ces communautés. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Seigneur, viens renouveler nos églises par le souffle de ton Esprit Saint et fais grandir en nous le désir de nouvelles implantations d'églises et de revitalisation de nos paroisses. Enlève toute crainte de nos cœurs, donne-nous d'être à ton écoute et de croire au petit commencement, dans un esprit de confiance, de collaboration et de créativité.